na côté à Goma. Et à part ville où on est appelé à Goma, bananga va pandi front, ba koti on m'apprend, ndenge na Joseph Sabino, que l'aéroport de Bukavu vient de tomber aux mains de l'AFC de Konenanga. Le M23 vient d'entrer, boyoka bien, le M23 vient d'entrer triomphalement dans le sud Kivu. Lumbushi et Luzirantaka. Lumbushi et Luzirantaka viennent de tomber sous contrôle de l'AFC-M23. Le lion de Sarambwe se dirige vers Sanje et Kavumu. Le lion, donc Batakone et Nangabazako se dirige vers Sanje et Kavumu. Alors, on me signale encore, à part Lumbushi et Luzirantaka, ou Koyaki, Natongo, quelques heures après, on me signale, l'aéroport de Bukavu vient de tomber entre les mains du M23. Grave, Ndinganga, ambassadeur itinérant, les mauvistes par conviction, voilà. Donc, c'est-à-dire, on me signale que l'aéroport de Bukavu vient de tomber. Bon, je ne sais pas encore, c'est question d'attendre les confirmations. Je suis là, je vais revenir pour vous donner l'information. Si cela est possible, même les après-midi de chez nous ici, je peux vous donner l'information et peut-être confirmer ce qui vraiment. Aéroport à Bukavu Koui. Ah, Soge Koui. Ah, Nanga. Non. Nanga, ce n'est pas un rebelle, mais il fait la résistance face au régime à Tshisekedi. Tika Nanga va dans les Kimia, à l'Osala Bitumba Mayele, à l'Osala Bitumba ya tactique de guerre, à l'Osala vrai conseiller, à l'Osala Bitumba Solo, pour renverser le régime. Naibisa ki ba te belé, oyo basali pressé, oh, Nanga, on va